cherchent du poison pour venir empoisonner les gens à Paris. Ceux-là et celles-là, ils sont sur ma ligne de mire. Je suis président d'une association des immigrés ici. Je ne tarderai pas à donner leur nom au renseignement général. Il est né aujourd'hui à Lyon. Ici, il y a eu des enfants de la cuvette ouest, du nord, de l'ouest, du sud, tout le monde était là. Les vidéos témoigneront de la présence de tout le monde. Pour une fois, nous sommes unis. Et nous sommes unis autour d'une seule chose. Les gens que... ici qui ont choisi la voie de maintenir sa foi au pouvoir moyennant de l'argent. Et à la fin, on commence à traiter tout le monde qui sont des affamés. C'est faux. Construise une synergie entre l'intérieur du pays où se trouvent les populations opprimées. Et d'ailleurs, ces forces-là qui sont à l'extérieur. Et ce n'est que comme ça, de cette façon, que l'on peut combattre et vaincre une dictature. Et c'est comme ça que nous vaincrons la dictature immonde de l'élisation. On commence à traiter tout le monde qui sont des affamés. C'est faux. Je suis pas un ouvreur, je suis chef d'entreprise. J'ai été le premier à dire à M. Sassou qu'il n'a plus le clé de la nage. Non, le deuxième, parce que la première prophétie, c'était Kangara, il a perdu le pouvoir. Là, je lui ai dit en 2016, il n'a plus le clé de la nation. Il est en train d'intimider les gens. J'ai dit aux gens, nous avons pris le pouvoir. Denis Sassou Nguesso, sache que nous avons récupéré notre bien. C'était notre pouvoir. Le peuple congolais souverain est né aujourd'hui à Lyon. Nous avons récupéré le pouvoir. Le pouvoir est à nous. Vu le nombre d'années qu'il a été là, quel nom que si en 2016 il est là, moi je vais changer le nom et la nationalité. Catégorie ou liste de Yabéni. Un peuple comme les Congolais, nous encore à se dire non. Mais continuez à dire non, le nom c'est très important. On ne sait pas dire non, oui, quoi, oui. Oui, chef, oui. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord, mais alors d'accord. Awa ton art à Lyon, tu es meeting monen awa boye, bah invité comme ça au couvrir événement comme d'habitude. Tu coutes un sous-nom moko, moi n'amboka Godefroy Karonda, à celle qui a celle intervention de Kounia Kafou Kafou, monsieur Godefroy Karonda, tu es sur tous les fronts. Nini l'issou awa na Lyon, oigo salanin. Merci, camarade journaliste. Kandengen Alobaki, que la politique, quand tu la fais pas, tu la subis. Donc à ce titre, j'ai été honoré par mon ami Mouélé. Monsieur Mouélé, je vais. Je suis venu pour représenter déjà ma personnalité et puis le mouvement, le combat que j'ai toujours mené pour la démocratie, pour défendre les valeurs et dire non à la Constitution, au changement de la Constitution plutôt. D'accord, mais écoutez, qu'est-ce que vous en tirez de cette réunion s'il vous plaît? J'ai été surpris qu'il y ait autant de Congolais venus de tous les horizons pour venir dire non à la modification de la Constitution. Cela veut dire que le peuple est debout et qui va se passer beaucoup de choses au cas où le gouvernement actuel s'obstinait à vouloir changer la Constitution, parce que toutes les personnes que j'ai vues là, c'est quand même des cadres, des médecins, des avocats. Cela veut dire que les gens sont contre, donc que le peuple, que le gouvernement tienne quand même compte de ce mouvement. Je ne sais pas. Bon, s'ils veulent s'obstiner, comme j'avais dit, il y aura des dommages collatéraux. Hein. Braza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Il y a des vérités qui se cachent. Il y a des gens ici qui ont choisi la voie de maintenir sa soie au pouvoir moyennant de l'argent. Et à la fin, on commence à traiter tout le monde qui sont des affamés. C'est faux. Je ne suis pas un ouvreur, je suis chef d'entreprise. J'ai été le premier à dire à M. Sassou qu'il n'a plus les clés de la nage. Non, le deuxième, parce que la première prophétie, c'était Kangara, il a perdu le pouvoir. Là, je lui ai dit en 2016, il n'a plus les clés de la nation. Il est en train d'intimider les gens, c'est fini. C'est des règles très simples de la vie. Amen. Quand on a trop fait du mal aux gens, on finit par tomber. Pour aller chercher du poison pour venir empoisonner les gens à Paris. Ceux-là et celles-là, ils sont sur ma ligne de mire. Je suis président d'une association des immigrés ici. Je ne tarderai pas à donner leur nom au renseignement général. Il y a aussi un livre. Aujourd'hui, M. François Hollande, j'étais le premier Congolais, je dis, il y a des médias. M. François Hollande, on s'est vu au mémorial de Caen. On a parlé du Congo. J'ai fait suivre un courrier avec accusé de réception. Et à la dernière minute, dans le Parti Socialiste, des gens comme M. Fabius sont en train de traiter avec le pouvoir de Brazzaville, moyennant l'argent, pour chercher à maintenir M. Sassou au pouvoir. Et ça, s'il faut être terroriste ici, je le serai. On va taper les ministres qui vont venir ici. On va commander à les taper.
Merci beaucoup aux grands journalistes. Vraiment, Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Et nous, ici, nous sommes à Lyon. Nous sommes venus assister au meeting organisé conjointement par le MCDD et le Lyon de Makanda. Vraiment, nous sommes vraiment heureux et c'est un appel de Lyon. Et ceux qui connaissent l'histoire de Lyon, vous savez que Lyon, c'est la ville des Lumières. C'est la ville. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Là, nous sommes avec Gatien. C'est un grand dans les médias. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît, pour la Constitution? Ben, d'ailleurs, merci d'abord pour nous accorder, en fait, c'est un moment symbolique. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon pour d'abord dire non au changement de la Constitution. Oui, je suis d'abord, il faut rappeler, en fait, aux Congolais, en fait, qui nous suivent un peu partout dans le monde, qu'aujourd'hui, Lyon a été le point de départ pour aller déverser cette mobilisation au niveau du Congo tout entier pour qu'il puisse avoir un changement, une alternative. Pourquoi pas parler en fait de l'alternance, mais ça va se faire au Congo en 2016. Voilà. Donc, et votre mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, c'est juste un remerciement, c'est juste demander aux Congolais de se mobiliser, c'est de voir l'avenir, de mouiller le maillot pour que les choses puissent changer. Voilà, c'est de tout à nous. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, s'il vous plaît? Moi, je suis officier congolais en exil. Regarde la caméra. Je suis officier congolais en exil en France. Officier congolais, vous êtes de quel corps, s'il vous plaît? Moi, je suis de la police nationale du Congo. Vous êtes quel galant? Moi, je suis officier, lieutenant. Je suis sorti du Congo depuis 1997. Donc, je suis officier, lieutenant. J'ai travaillé au commissariat de Fontiété. Donc, voilà. Vous êtes là pourquoi? Mais nous sommes en exil. Le président Sassou doit accepter de dialoguer avec tout le monde. Le pardon qu'il a demandé. Nous avons des compatriotes qui sont là-bas, des officiers qui sont rentrés, qui ne travaillent pas. Donc l'histoire du Congo aujourd'hui, nous avons des sous-officiers qui sont aujourd'hui des chefs, que nous avons laissés, qui étaient les sous-officiers. Donc il faut refaire l'équilibre de l'armée. Donc il n'y a pas à modifier la constitution. Nous allons aux élections. Voilà. Le problème du Congo, il est encore en entier. Hein. Le problème du Congo est en entier. Donc nous sommes en exil, donc ce n'est pas un problème là où monsieur là va se réjouir comme ça. C'est un problème entier. Donc les politiques doivent s'asseoir, nous les militaires. D'abord ceux qui sont là-bas, ils savent. Hein, ils savent que certains d'entre nous sommes à l'extérieur. Nous sommes nombreux à l'extérieur. Donc, Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Donc vieux Nangaï, Léon Juste Bombo. Hier j'étais avec Léon Juste Bombo, le grand politologue congolais. Il a dit tous les opposants ont été amnistiés. Si vous ne rentrez pas au Congo, peut-être c'est votre problème. Mais opposons tout, amnistiez Bango. Non, nous n'avons pas de problème avec le président Sassou. Donc aujourd'hui, le problème du Congo, hier par exemple, regardez dans d'autres pays, Guillaume Soro s'est battu avec, il est parti avec son monde. L'armée a été équilibrée. Donc aujourd'hui, le problème du Congo, l'armée n'est pas équilibrée. Nous, on va rentrer. Donc depuis 17 ans, moi je suis sorti du Congo sous-lieutenant. Depuis 17 ans, vous voulez qu'on me donne quel grade? Colonel? Non, pas peut-être colonel. Général? Non, pas général. Maréchal? Non, pas ça. Mais aujourd'hui, le problème du Congo, il faut équilibrer l'armée. Donc l'armée, donc il y a des gens qui étaient sous-officiers qui doivent effectivement reconnaître que ça c'est le chef, que ça c'est ici. Nous, il y a eu 17 ans que nous ne sommes pas là. Donc l'armée, il faut refaire des stages, il faut faire beaucoup de choses. Donc nous qui sommes sortis, on connaît, on reconnaît. Nous sommes là, on est là, nous sommes nombreux. Donc le problème du président Sassou. Donc l'équation peut-être n'est pas bien. Pourquoi? En 97, c'était une guerre comme ça là. Donc les gens n'avaient pas compris. Donc là, nous sommes en 2016. Donc l'équation n'est pas... Le mot de la fin, s'il vous plaît. Le mot de la fin, ne pas toucher la constitution. Lui, comme il menace le peuple, c'est nous qui sommes à l'extérieur qui allons le menacer. Il va nous croiser sur sa route. Voilà. Brazza Paris Info, tout le monde est d'accord. Les propos tenus n'engagent que leurs auteurs. Nengue Tolobaka, tout le monde est d'accord. Il va nous croiser dans sa route. Donc, où la lumière, la connaissance jaillit. Voilà. Donc, nous lançons un appel au peuple congolais que nous sommes contre le projet de M. Sassou sur le changement de la Constitution. Voilà. Donc, les Congolais, soutenez-nous. Nous sommes là, nous sommes à Lyon pour manifester notre soutien au MCDD et à Lyon de Makanda et dire à Sassou qu'il leur est venu, qu'il dégage. C'est tout. Merci. Voilà, non. C'est un grand plaisir d'être venu ici, d'avoir tous ses amis et c'est très encourageant. Et c'est porteur d'espoir. J'en suis très heureux, très confiant. Merci encore. Merci. Bonjour et merci à Lyon et ainsi qu'aux organisateurs qui ont eu cette formidable idée de nous réunir ici. Je voudrais simplement dire, pour ne pas abuser du temps qui m'a été accordé,
que je suis d'avis avec tout ce qui a été dit. Simplement souligner que depuis 97, il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte en même temps, depuis 97, aujourd'hui ça fait 17 ans environ que M. Sassou est au pouvoir, à chaque fois on nous a expliqué qu'il n'y aura pas d'élection, que M. Sassou ne pourra pas se maintenir au pouvoir, il est toujours au pouvoir. Il ne faut pas l'oublier. Il est toujours au pouvoir. Ça veut sans doute dire que notre manière de faire n'est pas la bonne. D'accord. Qu'il faut la changer. Et il faut aussi souligner autre chose. La question qu'on évoque, celle de la modification de la Constitution, demeure possible. Faites bien attention à ça. Elle demeure possible et Sassou peut le faire s'il veut le faire. Il va le faire. Et donc, la seule véritable réponse à ça, c'est des gens mobilisés, un peuple derrière l'opposition. La bonne question, c'est comment faire pour que les Congolais de Bétou, en Kaï, en passant par Kinkala, peuvent se lever pour dire non. Et évidemment, on se retrouve à Lyon, c'est une très bonne chose. Est-ce qu'à Dongou, on nous entend? Voilà la bonne question. Chers amis congolais, levons-nous. Merci. Le pays, vu le nombre d'années qu'il a été là, j'ai bien peur que si en 2016 il est là, moi je vais changer le nom et la nationalité. Quand tu une liste, il y a Béni. Un peuple comme les Congolais, nous sommes encore à se dire non. Mais continuer à dire non, le nom c'est très important. On ne sait pas dire non, oui, quoi, tu quoi, oui. Oui, chef, oui. Info en partenariat avec RD Congo Info, tout le monde est d'accord. Je dis bien, nous sommes leaders et experts en images exclusives. Donc, Lelo Boye, Tozalina, Bruno Mouele, le seul Congolais qui travaille à la Banque mondiale, président et MCDD, Aouti Hollande, MCCD, Aouti Hollande, et Gossala Maramone, Aonati à Lyon, Bissopé Toïm, ta convié, Bissopé Rana Lyon, Ndegana Lobagina Bino. Bino motobobili batabi loba loba bataba fiche soko sali mariage na yo obengi motay ko filmer motra motabala ki biso to filmer kaka to ba politicien te comme roma ko bosara traumatiser roma ko sa tokom donc monsieur Bruno Mouele c'est la star montante politique mi kolego no mboko no vieux expliquer kuna bazoyo kayo vieux gaz donc nini kaka vieux nangai meleki nangai tout le monde est d'accord Aristide Braz à Paris Info. Non, mais c'est simplement une façon de dire, c'est un grand plaisir, un grand honneur d'être aujourd'hui à Lyon, cette ville martyre, symbole de la résistance de la France pour la liberté. Et nous avons lancé ce tremplin. Cette machine est partie, qui va arriver à Paris, qui va déferler dans toutes les villes de l'Europe, des États-Unis, mais de partout, dans tout le monde, et qui va arriver à Brazzaville. Pour mettre fin à 30 ans de dictature incarnée par le général d'armée Denis Sassou Nguesso. Monsieur, d'accord. Mais si quoi, meeting no osali oyo bza pona nini? Mais meeting o to sali ango pona nini sota to sali ango po talakaka Denis Sassou Nguesso. Après plus de 30 ans au pouvoir, il est temps de gagner, temps de to sali conférence nationale, to sali lavement de main. Le peuple congolais lui a accordé son pardon. Sincère, pour Bandima qui peuple congolais a pardonné Andimi Lissoussou yé à la candidat à perdre l'élection. À Zongi Sikoyo Nabokonzi, il est revenu par les armes. Et donc aujourd'hui, il a installé d'abord un acte fondamental qu'il a transformé en constitution. Et 12 années après, parce que d'ici 2 ans, Denis Sassou Nguesso, constitutionnellement, sa propre constitution lui dit. Terminé comme il avait dit. Et il a prêté serment. Et il veut changer ça. Mais attendez. Donc nous nous levons ici à Lyon pour dire nos parents qui sont à l'intérieur du pays. Na Olombo. Binoboza na Olombo. Binoboza na Oyo. Toyebi que pas na Bino ya Oyo. Vous vivez les mêmes souffrances que Bande Konabino Baza na Kakamweka. Bande Konabino Bafanda Kanamuyonzi. Bozo vivre même souffrance. Donc ce que Denis Sassou Nguesso a zoloba eza lokuta ba oyo bazo bénéficier dictature eza bato ya nord ou ya sud te me bato a clan na clan wana ba chinois bazali ba mboshi bazali ba yaka bazali ba bembe bazali ba congo bazali bato tout mais na peuple pe bato ebele sikoyo bazali pe na ba région tout ya wana to sengi na bino to telema ensemble
Tolo banadeni sasungeso yambalo yo esili yai memanisa. Donc me bande na Lyon betke kumuti kun ben vana bo mave ben metal ba marrière me basika. Non à la modification de la constitution. Denis Sassou-Nguesso doit entendre ce message. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Mais ngai avant tiens autre chose là. Interview dans le grand politologue Léon Justi Bambo. Il y a le biboué. Bako va changer constitution. Mais pas pour na, président Denis Sassou Nguesso Tika. Constitution na basala kiango pour na ko éviter Bernard Kolela, Lissouba, Ganao, ba poser candidature. Mais les loboué, bana bato, tout on a basana pouvoir. Donc bako modifier constitution pour na moto oya roya kana sima président de la République Denis Sassou Nguesso à Kambamboka na Bosolo. Et puis, Ayazo Sengaming, séparation à pouvoir, Wana Penza, le grand prêtre, le grand politologue de tout le temps, Léon Juste Bambo, colo idéologie sassouiste, Yem Tam Alobinengona. Yosko Kanis Olobinin. Bon, Omoni, Makambo Lobby, le colo lobby, Justin Olombo. Léon Juste Ibombo. Juste Ibombo, c'est un frère, c'est un patriote. Il y a Ayebi. Ayebi Bruno Mouele, coordonnateur, il y a un mouvement collé contre la dictature, Tol Solo la Kanaïe. Naïe to solaka Léon. Quand il voit là, il sait. To solaka naïe. Et lui, il sait ce qu'on se dit. Mais lingo le bate. Et lingo le bate que non. Quand vous allez déborder, il faut beaucoup plus solo la tête. La ligne polémique était pour Omoni. Il y a Aza juriste. Est-ce que dans les règles juridiques, il y a Tanguy, vraiment? Lui, il peut dire aujourd'hui que la modification de la constitution, donc le Congo se limite à Bernard Kolela, Pobana Kolela, entre lui-même. Il est Aza grand, le Kola Yolobi, Aza grand juriste, Olobi Ningwanagas. Grand politologue. Il est Aza politologue. Politique ou politologie. Oyo yé aye koli nagat yaba université mondiale. Attendez vraiment que révision à la constitution. Que Congo et ses résumés, tout na sasuna kole là. Donc il y a le Kola Yolobi, il y a Léon Alobi que non. À cela qui s'assoit, à cela qui bilokoana, pour à écarter. Il y a mon copolitologue, à Lobiango. Est-ce que, quand il y a à suivre, Nani interview, est-ce que lui-même, Léon, il ne va pas se rendre compte qu'il est en erreur? Il est en erreur, puisqu'il ne peut pas se passer pour un politologue. Ce qu'il a appris, les règles de politologie, et qu'il vienne nous dire aujourd'hui que le Congo se résume à Bernard Kolela. Parce qu'avec la constitution, on a 40 ans. Non, moins de 40 ans, je crois qu'on se présentait. Oui. Et puis, je ne sais pas, comme on a la politicien. Ouais. Donc, est-ce que moyen de parce qu'en France, la majorité, on a 18 ans. Ouais. Donc, dorénavant, la Congo, on a 18 ans pour poser candidature. Ton lobby, il y a un lobby. Ce qui est à la cas, et l'autre, on a 40 ans. Ça, ce sont des échappatoires. Ce qui a 40 ans, est-ce que Denis Sassou Nguesso a besoin de choisir les anciens abissos, les 4 chefs traditionnels, les 4 mboka, où ils ont affamé. Denis Sassou Nguesso va donner de l'argent na base espagnole. Ba retraités espagnols bazana lar na bango bazana mongo na bango likonda. Mais ya biso bazo souffrir. Si ko ya komi loba na bango kobino bokomi ba sage. Est-ce que pona azo mobiliser ba sage wana ba pétrodollar pona ba permettre bana ya 40 ans si ko baza la président Simalobi? Denis Sassou Nguesso n'est pas dans cette stratégie. Donc, Léon a essayé que le un politologue de sa formation, puisqu'il n'y a pas polémique là-dessus, n'a respecté diplôme naïe, n'a respecté motu naïe, mais n'a moni que, et si qu'à moi, je lui ai déjà dit, Léon, je lui ai dit, c'est à toi, les intelligences comme vous, qui devriez servir ce pays qui souffre tant. Il ne faut pas réduire le diplôme, l'intelligence, Léon. On n'est pas grand politologue, simplement parce qu'on veut l'être. C'est pas tout le monde qui peut devenir grand politologue. Alors, grand politologue au service de la nation. Grand politologue au service du peuple. Il faut être pour le bien du peuple. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Monsieur Bruno Mouele, président MCCD, peut servir ce mot de la fin parce que mission Oyo Boemoni. Donc, si mon konzambo ka mon arango. Et puis, Keban affiche comme mon laïr. Sassou Nguesso Ayebi Kwazo Kweya. Sassou Nguesso est conscient qu'il est en train de tomber. Et ça, il le sait, il le regarde, il sait que tout lui a été dit. Est-ce que Pona Yomoko, Ngaï Siko, on a posé une question. Omoni, Tosalaga a interviewé Mbala Mokonga Nayo. Tosalaka Ango. Bon, Sikoyo, Nanayo Tosalaka interview. Sikoyo, Omoni Tango Tosala interview Nazo Simba, Opo Omoni que Nini. L'humilité est signe que Tobima, Omoni, Tosalaka tient complexe. Tu vois, aujourd'hui,
na poto to za na poto boy ba grande démocratie motako poser question à cause ka na Juppé à cause ka na na premier ministre Yomoni, mais chez nous, on veut toujours montrer les. Donc, Sassou Nguesso sait qu'il est parti. Lui, est-ce que Yo n'a posé une question si quoi? Tu es sûr que si Denis Sassou Nguesso savait qu'il peut rester là, à cause de l'agitation, c'est le signe d'un homme aux abois. Quand quelqu'un commence à arrêter les gens, il arrête les gens qui descendent de l'avion. Il fait ceci, il envoie les sbires, il monte les Mbate Abakolo. Tu es sûr que cet homme-là est dans la paix du cœur? Cet homme-là qui commence à dire vraiment, na kondimate que Moutoya a imposé Bissot Awa, c'est que Denis Sassou Nguesso a perdu. Il a perdu. Je te dis, Denis Sassou Nguesso, il sera vaincu. Denis Sassou Nguesso, mais il le sait, Denis Sassou Nguesso sera vaincu. Quand est-ce que ça va arriver? Tout dépend de ce que nous sommes en train de faire. Mais Denis Sassou Nguesso est en train de partir. Ce n'est pas de l'amusement. À Kokende, il ne pourra pas se mettre en face de notre peuple. La colère de ce peuple sera foudroyante. Il a vu en 92. Que Denis Sassou Nguesso. A vu en 92. Mais Denis Sassou Nguesso, Yokangaï. Par manque de temps, je n'ai pas terminé ce que je voulais te dire, Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le despote. Non, président. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas de l'agitation. S'il vous plaît. Nous sommes dans la nation. Monsieur Denis Sassou Nguesso, dictateur. Merci. Despote. Usurpateur. Nous disons simplement ceci. La colère de notre peuple sera foudroyante. Vous avez tellement humilié notre peuple. Maintenant, nous disons, n'empirez pas votre situation. Parce que il faut, ce n'est même pas un problème d'Oyo. Ça sera la justice qui va faire le travail de façon démocratique. Donc, nous disons à Denis Sassou Nguesso, il faut simplement que vous puissiez laissez les choses se faire telles qu'elles sont. Mais vous n'allez jamais vaincre ce peuple-là. Vous ne vaincrez jamais le peuple congolais. Au prix de petits faux billets, vous n'allez pas vaincre ce peuple. Même les sages que vous êtes en train de chosifier aujourd'hui, ils sont levés contre vous. Tous les Mabiala, les Pierre Mabiala. Tu le regretteras. C'était le mot de la fin. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Tout bien, le doyen Zoyaka. Le lion de Makanda. Nous allons aussi dire que tout le monde est d'accord de ne pas être d'accord. Parce que par point de vue, nous avons pris le pouvoir. Parce que pouvoir, on le met quelque part. Si un dictateur le prend, c'est la faute du peuple. Donc aujourd'hui à Lyon, j'ai dit aux gens, nous avons pris le pouvoir. Denis Sassou Nguesso, sache que nous avons récupéré notre bien. C'était notre pouvoir. Le peuple congolais souverain est né aujourd'hui à Lyon. Nous avons récupéré le pouvoir. Le pouvoir est à nous. Nous l'avons pris et repris. Donc toi, nous allons te laisser juste le temps de faire tes 2 ans. Tu finis tes 2 années tranquillement. Tu sors par la porte constitutionnelle. Tu vas t'occuper des vaches, des tilapias, des poissons-chats et même des autruches que nous ne mangeons pas. Donc c'est pour dire que nous sommes des humains. Tous les problèmes de procès que les Blancs te font, ça restera au niveau des Blancs. Mais nous, si tu ne sors pas par la porte constitutionnelle, c'est toi qui seras le violent. C'est toi qui vas introduire la violence au Congo. Et cette violence-là, dans la mesure où nous avons repris le pouvoir, c'est maintenant nous qui donnons des ordres. Toi, tu dois obéir, tu n'es qu'un délégué. Tu es le délégué du peuple, mais tu n'es même pas un vrai délégué, puisque le pouvoir, tu ne l'as pas eu par le peuple. Tu as toujours eu le pouvoir, tu as fait des élections, en 92, tu as perdu. Donc tu n'es pas un homme élu, donc tu n'as pas le pouvoir du peuple, c'est pour ça que tu ne nous représentes pas. Tu représentes des étrangers, des Libanais qui tassent nos filles, des Libanais qui font tabasser nos policiers, etc., des Chinois, mais tu ne nous représentes pas. Donc nous avons récupéré notre bien, notre pouvoir collectif aujourd'hui. Toi tu nous désunis, tu vas construire des écoles là-bas, tu laisses les enfants par terre, à Oyo, ils ont des ordinateurs. Non, maintenant c'est terminé. Nous voulons un peuple souverain et indivisible. Le territoire, il est indivisible pour les Blancs, pour qu'ils viennent prendre nos matières premières, nos ressources. Ils n'ont pas envie de diviser pour perdre une partie. Mais par contre, un peuple uni et indivisible, il est né aujourd'hui à Lyon. Ici, il y a eu des enfants de la cuvette ouest, du nord, de l'ouest, du sud, tout le monde était là. Les vidéos témoigneront de la présence de tout le monde. Pour une fois, nous sommes unis. Et nous sommes unis autour d'une seule chose,
que tu partes, que ton système se termine, parce que nous voulons quelque chose de nouveau. Et nous avons repris le pouvoir, parce que si le peuple ne reprend pas le pouvoir, il ne peut pas y avoir d'avancement. On pourra avoir quelqu'un d'autre après toi, ça sera la même chose. Il faut d'abord commencer par reprendre le pouvoir. C'est ce que nous allons faire maintenant. Nous allons reprendre le pouvoir et nous allons être des donneurs d'ordre. Voilà, donc toi, tu fais ton temps. Tu fais partie de la préhistoire de la politique congolaise. Donc, tu vois, c'est comme l'époque des dinosaures. Les dinosaures ont disparu. Donc, toi, tu disparaîtras en 2016. Il le faut. Si tu te maintiens à partir de 2016, le 14 août à 16h, ou c'est pas le 16, je ne sais pas, le 15 août, je ne sais pas quelle date, à 14h, tu ne seras plus président de la République. Tu ne le seras plus. Ton tripotouillage ne sera pas légal. Donc, c'est le message que j'ai envie de dire. Et à tous les Congolais, prenez le pouvoir, il est mental, il est là-dedans. Les soldats, ce sont vos enfants que vous avez mis au monde. Prenez le pouvoir. On dit le peuple congolais est souverain, mais soyez souverain. Être souverain, c'est être vraiment avoir le pouvoir, donner des ordres. Vous ne pouvez plus accepter qu'on ne vous donne pas de l'eau, qu'on ne nettoie pas vos villes, qu'elles soient sales, que dans vos écoles, qu'il n'y ait rien. Prenez le pouvoir. Prenez mentalement. Moi, j'ai pris, nous sommes 4 millions, j'ai pris ma partie. Donc, j'ai pris un 4 millionième de pouvoir, j'ai pris le mien. Voilà, donc moi, je l'assume. J'ai eu des procès, j'ai eu des problèmes, mais ce n'est pas grave. Je me bats pour le Congo, je ne me bats pas contre Sassou, ni contre son frère, ni contre personne. Moi, je me bats pour le Congo, pour le bien-être de tous. Donc, nous allons prendre le pouvoir. Et nous l'avons pris, nous avons commencé à le prendre aujourd'hui. Le peuple du Congolais va devenir souverain et nous allons imposer à Sassou de sortir par la porte constitutionnelle. J'en ai terminé. Rico son.